Bonjour et bienvenue au 13e live des jeudis de l'ODD 17. Le thème de ce mois porte sur les méthodes pour inventer de nouveaux modèles qui répondent à l'ampleur de nos défis communs. À cette occasion, j'ai le grand plaisir d'accueillir Laurence Thénault-Hermant. Bonjour madame, un grand Bonjour. merci d'accepter de répondre à nos questions aujourd'hui. Depuis 65 ans de combat, l'AFM Téléthon a réussi ce qui semblait à l'époque impossible, guérir parmi les maladies les plus complexes, celles qui touchent les muscles. Nous souhaiterions aujourd'hui retracer avec vous le récit de cet exploit au travers de trois questions. La première, quelle est votre plus grande fierté sur ce chemin d'innovation? Bonjour. Alors, ma plus grande fierté, je dirais, il y a plusieurs grandes fiertés. C'est d'abord le fait que, avec l'organisation qu'on a mise en place, on a vraiment assuré des percées, des avancées extraordinaires dans des domaines, que ce soit la thérapie génique, la génétique, les maladies rares, la bioproduction, des domaines dans lesquels personne ne pariait dessus il y a quelques années. Et aujourd'hui, beaucoup s'y mettent, beaucoup ont constaté que c'était une avancée. Donc, en gros, on avait un coup d'avance et ça, c'est aussi toujours important. Une grande fierté aussi, c'est d'incarner un modèle entrepreneurial en termes d'association, très atypique. Ça, c'est une fierté. Et puis, comme vous m'avez posé la question de la plus grande, c'est le fait que nous ayons pu et que nous sauvions des vies avec des thérapies très, très innovantes qui sont nées dans les laboratoires du Téléthon, des enfants qui hier étaient condamnés, aujourd'hui vivent, et ça, c'est extraordinaire. Et par là même, on est aussi à l'origine d'une vraie révolution médicale qui ouvre la voie pour des maladies rares, mais aussi pour des thérapeutiques de maladies fréquentes. Pour inventer la médecine de demain, l'AFM Téléthon a réussi à faire alliance avec des profils d'acteurs radicalement différents, voire parfois opposés. Et notre question est donc, quelle a été la plus grande difficulté que l'AFM Téléthon a dû surmonter pour faire alliance hors des sentiers battus? Beaucoup de difficultés. Vous me posez la question la plus grande, c'est très difficile d'y répondre. Beaucoup de difficultés. Je pense que la première, c'est le fait que, avec le mot association, avec le statut associatif, beaucoup mettent des clichés derrière cela, et peut-être le cliché de malheureusement amateurisme. Et surtout que nous sommes, pour une partie en tout cas de notre activité, on est vraiment sur la recherche et le développement du médicament. Donc, une association qui s'occupe de recherche, de développement de médicaments, qui est opératrice dans le domaine, ça interpelle parce que pour beaucoup, c'est la recherche fondamentale, ça va à l'académique, le développement du médicament au secteur privé lucratif, et donc une association qui s'en mêle, c'est compliqué. Surtout qu'en plus, nous avons une politique de valorisation qui repose sur deux grands fondamentaux qui sont les suivants. D'abord, sécuriser l'accès des patients au traitement, faire en sorte que, avec les partenariats ou autres, ce soit le plus fluide possible, et puis ensuite avoir un juste retour sur investissement pour pouvoir le réinvestir, bien évidemment, dans nos missions sociales. Donc, cette façon d'avancer, d'être association opératrice, qui fait aussi du développement de médicaments, qui a une politique de valorisation, ça heurte les schémas, soit le secteur plus académique public, qui nous voit plutôt comme un apporteur potentiel de subventions. Ça heurte le secteur, on va dire, plus privé lucratif, l'industrie pharmaceutique, qui nous voit d'habitude plus comme une association philanthrope et qui met à disposition ou les patients ou autres. Donc, on est vraiment très, très atypique. Donc, les difficultés très nombreuses. Mais en même temps, on est fier d'incarner ce modèle assez atypique, même je dirais unique, et d'ouvrir une nouvelle voie qui montre qu'on peut être en effet cet acteur à but non lucratif, mais opérateur dans le domaine de la recherche et du développement du médicament. Merci beaucoup. En 20 ans, la Force T s'est imposée comme un acteur déterminant sur les territoires. Et pouvez-vous nous rappeler en quelques mots ce qu'est la Force T et nous expliquer pourquoi il est si important de mobiliser tous les acteurs au sein des territoires? La Force T, c'est une force extrêmement importante. C'est la mobilisation sur le terrain, partout dans les départements, partout dans les moindres villes, les petits villages, au moment du Téléthon. Il faut savoir qu'au moment du Téléthon, il y a à peu près 15 000
communes qui sont engagées dans cette opération extraordinaire, cette aventure humaine extraordinaire. Et 15 000, plus de 15 000, c'était Pierre Tchernia qui disait, c'est le 14 juillet en hiver, donc c'est vraiment une très belle mobilisation. Pour nous, c'est important parce que d'abord, c'est générateur de liens sociaux, très intergénérationnels, je dirais. Au moment du Téléthon, tous les acteurs se retrouvent autour d'une cause commune, et le Téléthon, c'est vraiment très, très fédérateur. Ça fait rentrer aussi ces sujets de santé publique d'importance autour des maladies rares, expliquer 7 000 maladies, 3 millions de personnes en France, une recherche qui sert aussi au bénéfice du plus grand nombre. C'est vraiment de faire rentrer dans les foyers cette acculturation à cet enjeu de santé publique que sont les maladies rares. Et puis c'est aussi la fête, c'est aussi des choses très positives qui sont insufflé pendant ces deux journées et vraiment des moments extrêmement forts, extrêmement puissants de convivialité et du positif pendant deux jours. Merci Madame Thienot-Herman d'avoir répondu à mes questions. Est-ce que vous avez un dernier message à transmettre? Le dernier message, c'est le fait que le Téléthon, vous l'avez tous compris, c'est une aventure humaine extraordinaire, c'est bâtir, comme vous l'avez dit, la médecine de demain. Donc pour tous ceux qui déjà ont été à nos côtés dans les précédentes éditions. Merci, merci du fond du cœur. Pour les autres, il n'est jamais trop tard pour bien faire. On compte sur vous. Le Téléthon en 2023 a lieu les 8 et 9 décembre et on peut toujours faire un don toute l'année, téléthon.fr. On compte sur vous. Un grand merci, Madame Thienot-Herman, d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. Et merci à tous de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons le 9 novembre prochain autour du thème « Vers de nouveaux équilibres socio-économiques » avec le témoignage de Caroline Germain, déléguée générale de l'ADASI. Et n'oubliez pas, les jeudis de l'ODD 17 vous donnent rendez-vous chaque semaine pour une information, un portrait et un outil pour agir ensemble face à nos défis communs. À bientôt.